Katharina, Claudia et Ambra dansent sur du Jimi Hendrix et c'est loin d'être la seule surprise d'Aposto, un spectacle présenté pour la première fois en Belgique dans le cadre du Festival des Brigittines. Comme toutes les choses dans le spectacle, moi j'ai toujours l'impression qu'on part pour un voyage au départ et on ne sait vraiment pas les gens qu'on rencontrera, le lieu qu'on va visiter. Et les musiques aussi, elles ont, à mon avis, voilà, c'est moi qui les ai choisies, du sens, il fallait que ça soit ça. Aposto, c'est un pique-nique en trio où se mélangent humour, raffinement et violence. Le spectacle s'inscrit bien dans le thème de l'édition 2013 du festival, la crise et le grand large. Cet aspect de transposition est très important, que la scène donne à voir, non pas un reflet de ce que nous vivons, mais une recréation de nos mondes intérieurs, de nos soucis, même quotidiens, mais qui sont tout à fait transformés et qui montrent qu'on peut à la fois rêver et rire de nous-mêmes, dans nos vies, de tous les jours. Jusqu'à la fin du mois d'août, le festival très axé sur la danse présentera des spectacles venant de tous horizons, Corée du Sud, France, Italie et bien sûr des chorégraphes belges, Yann Martens ou la compagnie Mossoubonte.